Bonsoir, bonjour tout le monde. C'est un immense plaisir pour m'entrer la caille pour me capable porter pour nous une nouvelle émission qui parle l'autre qui c'est Daniel Info News. Daniel Info News, c'est émission qui a passé de lundi au vendredi depuis le fait 10h du matin ou même Zami Pam au capable à regarder sur YouTube, aka Facebook, TikTok, comme ça ou à bien informé de politique et sociale dans la coupe pays d'Haïti. Haïti, dans le dernier moment, ça a passé un moment qui est vraiment difficile. Nous n'avons pas arrêté en silence pour ne pas porter pour vous information de politique et sociale. À travers des émissions, ça, ou même les amis PAM, vous avez informé de tout ce qui a passé dans la ville provinciale et la capitale pays d'Haïti. Jeudi, c'est mardi 26 mars 2024, là, c'est la première émission qui rentre la CAO pour capable de vous informer. Qui parle l'autre, tant qu'on dit, c'est Daniel Info News. 18 institutions santé qui ne peuvent fonctionner dans la zone métropolitaine à cause bandits prend contrôle zone ça. Parmi eux, l'hôpital général et quelques centres de santé. Docteur Jean Adouin Louis Charles, quoi le porter pour nous? Plus en précision de ce qui a passé dans la zone ça, qui est la zone métropolitaine, dans un espace, nous capables de dire, qui gagne la donne, l'hôpital général. Étape répondre question, journaliste Guerrier Dieussel, dans l'émission Occasion, qui était passé matin. Mardi 26 mars 2024 là. Nous allons vite écouter docteur là qui c'est secrétaire général de l'association santé haïtienne. Alors que nous pas bien assez. J'ai très insuffisant et qu'on a même 18 qui servaient encore. Et parmi lesquels, c'est la principale institution. Et donc, on a l'hôpital général qu'on est là qui va fonctionner. C'est une petite institution de santé qui est la paix par rapport à ça à l'offre et par rapport tout à la population des services, c'est surtout la population de petites bourses, mais il y a un gros accident. Donc c'est là l'hôpital général tout le monde qui a flué. Et voilà que nous avons tout pris à trois venir. C'est pour ça que ça a été tombé. Et ça a tombé dès qu'elle tombait bien avant. Donc toute notre zone, ça a tout. Tout le monde a se fermé, tout le monde. Et tout le monde, tout le polyclinique, le pays et tout, tout fermé. Donc tout le ça, et une contre-forme, ça fait un bloc, ça fait une masse de problèmes qui gagnent dans la région entière. Et n'oubliez pas tout. Et que. Même médecin et tout, et moi médical là même, le personnel lui-même, il a fait tout en situation comme ça. Donc on voit son bagage qui est grave et nous en dépôt, mais t'as fait non, non seulement pour moi comme attaquer l'hôpital, et attaquer situation de santé, attaquer médecin, attaquer moi médical et personnel médical là, mais t'as fait un point même, tu peux connaître qu'il va faire comme ça, et bien, nous comme nous l'État. L'État effondré dans la zone ça. Donc, on veut dire, même l'État tout ça capable de faire, parce que c'est vrai qu'il y a une insuffisance par rapport à l'ampleur des gars qui gagnent et que mon armée a fait sous l'institution de santé. Donc, vraiment, il y a une marche à la société des Palestiniens. Nous indignés, ça peut être pour ceux qui ont l'argent, vous dites, nous indignés, nous même en colère, pour ne pas passer mon médical, parce que mon pays, pas qu'à vivre, et sans, mon pays, pas qu'à vivre sans santé. La santé, c'est un bien fondamental que nous ne reconnaissons pas, parce qu'ils sont que les conventions internationales reconnaissent qu'ils sont bien fondamentales pour mon vivre. Voilà, nous t'avons écouté Jean Adouin et Louis Charles qui t'avons répondu à une question journaliste Radio Caraïbe FM dans l'émission Occasion matin mardi 26 mars 2024. Là, nous t'avons entendu comment docteur lui-même il t'a parlé de l'état qui est l'hôpital en général avec quelques centres de santé dans la zone métropolitaine qui n'est pas capable de fonctionner à cause des bandits qui prennent contrôle zone SILA. Et bonne nouvelle pour l'institution ça qui c'est la police puisque
la police te gagne yon gros difficulté le ou gen chèque nan men yo, chèque yo pas capable changer nan n'importe banque. Et bien gen gros décision qui prend là, chèque la police konya yo ka changer nan plusieurs banques, nous capable dit dans la coupe pays d'Haïti. Nous parlons vite au côté et Lionel Lazare qui c'est coordonnateur général de SINAPOA qui t'a répondu une question et toujours guerrier Jussel dans l'émission occasion qui passait matin mardi 26 mars 2024 là nous allons pour plus précision de ça nous sommes là. Bonjour tout le monde de SINAPOA. Son plaisir, moi, ça va avec le matin. Effectivement, SINAPOA, son bataille que nous avons mené depuis 2 ans pour nous regarder comment que les policiers, le personnel administratif sont capables de changer ce que et surtout à travers les BNC. Nous sommes que nous avons écrit directeur général de la police à ce sens, ça va bien 2 ans. Nous avons une réponse, nous avons écrit pour le ministère de la nous n'avons jamais eu une réponse parce que l'idée est vraiment dur pour garder. Ou même en tant que un policier, et pour que nous fassions normalement que c'est l'État là où nous travaillons dans l'État, et plutôt pour ne pas changer dans le banque l'État encore. Et nous avons fait une bataille là, finalement, nous avons gagné une bataille là, et nous remercions le Premier ministre qui a M. Patimba, pour moi avec qui, lui-même qui a une nécessité pour encourager. Et ça pour avancer avec l'initiative ça que nous avons au niveau SINAPOA nous féliciter l'initiative et décision ça qui prend et son ouf de soulagement son bataille de tout policier okay. Mais son décision que l'information que nous gagnons qui prend pour toute la police vu que plusieurs personnels administratifs qui parlent avec nous hier que nous allons la banque là pour nous capables de changer chez nous les arrivés responsables banque nous parlent de changer chez nous parce que nous disons nous parlons pour policiers. Nous avons dit aussi là pour nous parler avec plusieurs responsables. Il y a 2 ou 3 ministres qui ont été ensemble avec eux, qui ont dit non que il y a gardé qui sont capables de faire 3 millions ça parce que c'est pour tout institution qui ont fait. Imaginons que mon cap, ni toi et puis au directeur général de la police, son employé, son personnel administratif, les compagnies de la police, quand même, les chefs partie de l'institution, tout, l'ont pas décidé de changer chef par la police, qui côté vous et là, à changer. Mon qui, en fait, qui a nettoyé la croix, qui a fait, qui est important dans la croix, c'est les personnels administratifs, les administrations qui y a travaillé. Et conseil du monde qui, dans l'autre, et côté qui a travaillé dans l'institution encore, et par exemple, mon qui n'a garage, ou, c'est pas des policiers, et c'est des employés civils qui ont été examinés, les personnes administratives, ils font partie de l'institution en tout. Et donc, nous, vraiment souhaiter que cette situation s'arrête, et corriger, parce que y a une frustration, si nous faisons pour l'institution, que lui respecter. Parce que quand il y a un qui a plein, il a trouvé que son éducation est pour lui, il a oublié pour lui dire que il y a la police et que nous, la police civile, donc tout le monde qui travaille dans l'institution policière, là, il fait partie de l'institution, nous pas dit que tout avantage qu'un policier va bénéficier, nous-mêmes, qui va bénéficier, que les avantages qui n'ont niveau pas, nous, tout que nous capables de bénéficier, puisque la police de composants, ça va bien, policiers et puis nos personnels administratifs. Donc, oui, décision, bon, nous féliciter, nous applaudir, mais personnel administratif, il faut que nous soyons capables de nous même gens, ensemble avec policiers, les rentrer dans n'importe quoi, parce que par là, plusieurs policiers, ils disent effectivement, dans n'importe quoi, ils ont passé là, mais qu'on liste de banques qu'ils ont été qui, pour dire qu'ils sont capables d'aller changer chez eux. Le parallèle, c'est que. Voilà, je ne t'écoute là, c'est Lionel Lazare qui est coordonnateur général et nous capable de SINAPOA qui t'a répondu à la question et journaliste guerrier Jussel sous dossier et chèque, nous capable de décision qui prend là
pour que chaque la police soit capable de changer dans quelques banques. Et c'est comme ça la police est très content, les policiers sont très contents là, puisque il y a des difficultés pour changer chèque des fois. Il y a gagné plusieurs banques côté que yo capable à changer chèque yo. N'a toujours été dans ça qui a avec information politique yo. Nous pourrons rentrer dans un autre dossier, c'est un dossier nous capable dire qui est vraiment sensible et qui est important pour le pays hein? Et ce dossier ça tout et qui est capable permettre que Haïti sorti dans crise qu'il y a. Et nous capable dire et un dossier qui gagne quelques jours là qui a fait parler en pile d'élit, c'est cette monde qui fait partie de membres présidentiels que CARICOM lui-même a été mandé pour capable venir et gérer nous capable dire pays d'Haïti. Avec CARICOM, et lundi 25 mars 2024, tu gagné pour te chiter avec 7 membres. 7 membres qui font partie présidentielle là. Et une rencontre, nous capables de dire, qui t'est faite lundi 25 mars 2024. Là. Nous voilà, évitons ou même côté Johnny Ferdinand, qui c'est encore journaliste, Radio Caraïbe FM. Matin mardi 26 mars 2024, M. Tapa a apporté quelques précisions de rencontre Silla en Altandel. Jusqu'à 8h, soyez bien, au niveau de question 100, conseil par le président César. T'es doué gagner. Élection qui fait au niveau conseil là pour capable élire un nouveau président, disons un président. Même bien, madame, monsieur. Yo réuni entre eux, yo entendu sous ça. Yo rencontré à CARICOM, yo entendu sous ça. Yo dit, il a travaillé sur un document. Qui pour dire qui sa mécanisme a fait pour choisir le président, pour choisir le premier ministre, mais comment il a géré ça, etc., pour un fonctionnel, le conseil présidentiel. Il a entendu à 8h, il a fait élection, et au terme de l'élection, ça y a bien un président en dehors de la guerre. Il y a des médias qui sont disposés d'informations en Kimaï. Ok? Il y a des médias qui sont disposés d'informations en Kimaï. Et pas des moyens. Depuis une bien bonne après-midi, pas gagné aucune objection. Pas gagné aucune note de démenti. Pas gagné aucun représentant structuré ou bien structuré même qui a un conseil là qui disait pas vrai. C'est dans le moment l'élection après le fait. Et puis, il y a Mondana et la famille Lavalas qui décident eux-mêmes. Ils ne sont pas là. Et puis, les médias, même qui ont information, disent qu'ils ont boycotté l'élection. Mondana joue le marronnage. Mondana dit et c'est à ce moment-là qu'il est tout seul. Mondana et Lavalas vont réagir. On dit. Pas qu'à gagner l'élection, c'est quelque chose de prématuré de guerrier. Faut que tu gagnes d'abord ou en tant qu'il joigne pour dire pays à mais comment il va le diriger ce que il y a des là, sous base d'un accord politique, etc. etc. Moi, je suis tombé la nuit. Pourquoi ça m'a tombé la nuit? En fond, si raisonnement tout petit. Pourquoi ça c'est après? L'élection n'a pas arrivé fait. Et que y a des médias qui rapportent des formations qui disent c'est parce que Mondana avec la relation même, ils ont décidé de briller par abstention qui fait notre ça sorti. Pour ça, depuis l'heure,
Yo te annonce par Yerusso dans la soirée à partir de 8h. Ni Fermi Lavalas, ni Montana, parce qu'il y a dans ce temps-là, vous dites non, pas la gagner l'élection. Pour ça, il y a une rencontre qui fait, à moins que entre représentants deux, groupe ça yo, avec groupe yo, qu'on manque de communication. Parce que manque yo, entendu entre yo, guerrier du sol, yo dit c'est là yo pour aller. Pas de problème que vous soyez, nous avons défendre nos positions, le principe. Ok? Mais bagay yo, guetta et mignon. Vous d'accord ça? Donc pour qui ça nous donne, c'est l'élection par une fait, et que yo dit, c'est nous-mêmes qui bon côté processus là. Et si le SANAP dit, processus là est transparent, processus là bise, processus là date, force tel bagage depuis fait avant, en lieu placé comme notre bagage, etc. Alors que toute journée, information a été disponible qui évoquait des questions en différents membres pour aller vers l'élection de président dans la soirée, pas qu'une pièce réaction, pas même une note, mais côté deux principales structures européennes. Jusqu'à ce que Bala vire Jean-Viria et pour maintenir la ticket, c'est un conseil présidentiel qui plus t'accrase au lieu de mon lieu d'arriver nommé et installé derrière les gens. Et si vous regardez le report de 72 heures du parti Zahir au même Mandéa, vous rendez compte que vous plus opté pour craser Malaysia au lieu par exemple d'arrêter pour avancer la carte. Vous avez dit que vous tout carrément, c'était prévisible. Ça, c'est l'information officielle. Mais la société qui s'est passée. Et que M. Mondana ou Mme Mondana, que M. Lavalasso, Mme Lavalasso, voulez que vous ne parlez, il a démenti si vous voulez. Qui s'est passé hier soir, c'est le silence de cette jusqu'à avant 8h du soir, Mondana était quoi que l'il y ait une majorité à. Jusqu'à avant 8h du soir, Mondana était quoi que l'il était capable de remporter sous l'élection. Raison, c'est parce que de l'autre côté, il y a plusieurs candidats qui étaient déclarés. Donc Mondana lui-même, dans le niveau pas, il dégage une majorité dans le sens parlé. Et puis il dit à vous un seul candidat. Donc il y a une certaine logique. Si il y a deux groupes en face, l'autre groupe là lui-même, les divisés en milliers de pourcents, le groupe en face, c'est une il y a une possibilité pour lui. Il y a une élection, c'est logique. En disant par exemple, dans la majorité de Mondana, il y a Mondana, il y a la Valas, il y a le secteur privé des affaires. Avec dit, il y a 3 sur 7 mondes. Il y a 4 là-haut. C'est 4 mondes à dire dans le dès le départ. Vous avez dit Mondana, vous avez dit ça. Dans 4 mondes à dire, il y a minimum 2 à 3 qui déclarent dans le statut. Donc, il y a une bonne Mondana. Parce que c'est même genre qui fait l'élection ici. Vous savez que le groupe est divisé. Si vous êtes dans le milieu, et l'on regarde, vous voyez, c'est presque même pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir déjà. Alors, on parle de mon avant, la suite des années, etc. Il y a eu des élections face à Jovenel Moïse. Si on était en temps de nous, pas la bien de parler. Mais le fait que vous avez vu diviser chaque groupe est candidat par eux, le groupe est affirmé. Eh bien, dans la perception au niveau de l'équipe Mondana, c'est ça que donc, en face là, comme il y a plusieurs candidats, le Mondana lui-même entendu, nous avons un seul candidat pour ces fins à l'étranger. Et bien, qui ça, Mondana vient comprendre, c'est ton stratégie de groupe qui est en face à gagner. Les gars, ils ont gagné 2, 3, 4 candidats, oui. Son seul candidat, les gars, gagné. Donc, ils n'ont pas parlé, ils ont battu Mondana, dans tout sens. Et hier, si l'élection a fait gagner à 8h du soir, Mondana a perdu l'élection, donc il a perdu du coup la présidence du conseil présidentiel. Et c'est ça pour nous dire, peuple là. C'est pas une note pour nous sortir, pour nous dire comme ça, faut que c'est tel bagage que vous avez fait avant. C'est pas 72 heures pour nous demander de reporter l'élection, pour nous dénoncer ça comme manque de transparence ou bien n'importe quel genre. C'est pas menacer, pour nous menacer, craser, quitter ça. C'est pas nous contrôler le bagage. C'est pas ça pour nous faire. Faut que nous disions la vérité. La vérité, c'est que Mondana a dépensé, il a contrôlé tout le bagage. Jusqu'à 8h du soir, le lendemain, il n'y a pas de rien. Et c'est ça la.
Voilà, je ne t'écoute là, c'est Johnny Ferdinand, journaliste en Radio-Télé Caraïbes FM, qui t'a apporté quelques précisions de rencontre qui était bien pour fête lundi 25 mars 2024, là, côté CARICOM, tu es supposé, et je t'ai parlé avec membre conseil présidentiel, et nous connaissons qui pourrait aller pour gérer le pays dans le jour qui pas venu là-haut. Il t'a apporté pour nous quelques petites informations de ça qui était passé, nous capables de dire, dans la rencontre. Si là, cinquième journée championnat national et spécial qui est réalisé par la Fédération haïtienne de football. Là. Cinquième journée a démarré mercredi qui pourrait le 27 février Cap en venir là. À 4 h de l'après-midi, Real du Cap pourrait jouer face à l'équipe Rouen-Ametlan. Et c'est pour aller pour mercredi 27 mars. Et puis, toujours mercredi 27 mars, là, à 4 h, toujours gagnant équipe América de Cali qui pourra jouer face à l'équipe Racine, club haïtien. Rappelez que c'est pour aller deuxième match Racine dans le championnat. Ça. 30 mars, en Cap en venir là, Fika a joué face à Racine en Dégonaïve. Et puis, même 30 mars, là, USR a joué face à l'équipe Cosmopolite. Et puis dans l'international, jeudi mardi, hein, qui c'est mardi 26 mars, là, plusieurs matchs a bien pour jouer dans sa ligne à la journée FIFA. Un match amical à 10h30, à 10h50, jeudi en même, l'équipe Argentine a joué face à l'équipe Costa Rica. Brésil, 4h30, a joué face à l'équipe Espagne. Faut dire que, une triste nouvelle qui m'a apporté pour nous. Hier, dans la conférence que Vinicius lui-même, l'état monsieur s'était crié un peu de l'eau dans les yeux à cause, monsieur tape touché point, question racisme. C'est un bagage qui baille monsieur en pile problème et c'est avec un pile de l'eau dans le monsieur t'es fini conférence de presse. Toujours un match amical, Chili-France, Allemagne-Hollande, Roumanie-Colombie, Angleterre-Belgique. C'est match en football, ça y est, nous capables de dire qui gagne dans sa guignarée avec journée FIFA. Dans la même journée FIFA, ça, pour gagner match de barrage Euro 2024, là, gagner et Georgie qui a joué face à l'équipe la Grèce, là, c'est à 1 h PM que match en football, ça lui-même l'a joué. Toujours jeudi, mardi 26 mars, là. Ukraine, Islande à 3h45, Pays de Galles face à l'équipe Pologne, là. C'est 3h45 que match en football ça lui-même l'a joué. C'est là, nous mettons en bout avec un premier émission qui c'est Daniel Info News. Moi, t'es content de la caille pour être capable de venir informer de tout ce qui a passé de problèmes politiques et sociaux dans la coupe pays d'Haïti. Rendez-vous pour l'autre show qui est capable plus belle. Merci un peu. Ou même mes amis Pam qui te bon temps pour te capable d'attendre l'émission ça. Rappelez que si vous pouvez abonner avec moi, abonner et puis partager cette vidéo ça avec l'autre ami. Comme ça, m'a bien plus, mon cap gade, m'a bien plus encouragement pour me capable de porter pour nous un peu l'information. Bye bye tout le monde.